Bonjour, nous sommes lundi. Attention. Non? T'as rien à dire? Kéline est en train de prendre sa petite compote. Elle est habillée. Aujourd'hui, j'ai mis un pantalon noir avec ses gazelles Adidas, pardon, on ne voit plus. Et puis, petit manteau, un t-shirt blanc. Voilà, très très simple. On est parti chez la nounou. Je la dépose chez la nounou. Avec Aria, on va faire 2-3 courses à Lidl. Certaines choses qu'on n'a pas trouvées pendant les courses d'hier. Après, direction Lyon, puisque j'ai rendez-vous chez le dentiste. Voilà. On adore une fois par semaine maintenant. C'est parti pour au moins 8 semaines, voire plus, puisque j'ai une dent là, une couronne à faire. Et de l'autre côté, je ne sais pas, il va y regarder aujourd'hui. Donc je vous dirai ce qu'il en est, ce qu'il me fait. Et voilà, on verra bien. J'ai envie de vous dire, c'est la surprise. Mais ouais, je pense que la surprise va me faire mal. Voilà, parce que 2 couronnes la même année, ça va piquer. Voilà, heureusement que j'ai une bonne mutuelle. Mais bon, c'est comme ça, hein. Malheureusement, j'ai pas bien le choix. Enfin voilà, on est parti, let's go. Je mets les filles dans la voiture, je dépose Cali chez la nounou, on va à Lidl. Et après, direction Lyon. C'est parti, et on se retrouve une fois que je rentre. Je vais pas vous emmener avec moi, ça va être trop la galère. Mais je vous raconte tout ça dès que je rentre de chez le dentiste. Bon, ça y est, je suis rentrée. Il est assez tard puisqu'on allait faire un petit peu. J'avais 2-3 petites courses à faire. Comme je vous ai dit, je suis passée à Lidl, donc j'y suis passée après avoir déposé Cali. Ça a été un petit peu la course, mais franchement, je pensais que j'allais pas avoir le temps. J'ai trouvé pas mal de choses en sachant qu'il y avait pas mal de poulets à consommer avant demain. Ils étaient à 50%, donc j'en ai pris 3 barquettes. Je vais les mettre en sachet congelé et je vais les congeler. Comme ça, au moins, on en aura pas mal d'avance. Pour toutes celles qui vont à Lidl, genre le matin, ils regardent les dates et quand la date est du jour ou le lendemain, ils mettent à 50%, donc ça vaut grave le coup. Là, j'ai eu 2 Buddha Bowl aussi. Buddha Bowl, ouais, je crois que c'est ça. Vous savez, vous avez de la salade, du quinoa, il y en a un au falafel et un au thon. Et j'en ai pris 2, donc un de chaque, et il était à 20 centimes au lieu de ces 3 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça vaut grave le coup. Sinon, je suis passée à Auchan, puisque j'avais pas mal de Shopmium à prendre. Donc je vais vous sortir tout ça, je vais vous montrer. Je suis passée également au magasin de tissus, puisqu'ils ont sorti les nouveaux tissus pour cet été. Donc je suis trop contente. J'en ai trouvé un avec des petites coccinelles. Il est. Attendez, je vais vous montrer. Il est trop beau. Alors, j'en ai trouvé un avec des toutes petites cerises. J'en avais avec des plus grosses cerises, mais là, des toutes petites cerises. J'en ai trouvé un avec des petites coccinelles. Hop, je vais en faire direct ce soir. Je vais faire des bavoirs pour les filles. Et j'en ai trouvé un avec des morceaux de pastèque. Celui-ci, en bavoir, il va être trop canon. J'adore. Sinon, j'en ai pris un comme ça pour faire des coussins. Puisque dehors, en fait, on a des chaises hautes. Donc, on en a 2 bleues. Bleu ou verte? Non, bleu. Je sais plus. Oui, les nôtres, elles sont. Je regardais dans le jardin. Les nôtres sont bleues, donc on en a 2 grosses. Vous savez, c'est les chaises en plastique de Ikea. Les nôtres sont bleu ciel un petit peu. Donc je vais faire 2 coussins avec des feuilles bleues. Et c'est Aria qui bouge, qui fait des petits bruits. On en a pris un petit orange à Ikea que je vous ai montré. Donc, je vais faire un petit coussin orange. Et celui de Cali est vert. Donc, pareil, elle aura son coussin. Je vous montrerai tout ça quand ça sera fait. Là, je vais me remettre à la couture parce que ça me manque en fait. Donc, voilà. Et j'ai pris du tissu uni. Puisque tissu uni, il me manquait un petit peu des couleurs pour en avoir un petit peu de toutes les couleurs. Donc, j'ai pris un bleu, un vert d'eau, je dirais. Un saumon pêche un petit peu. Et un bleu, je ne sais pas trop comment caractériser ça. Voilà. Sinon, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai enfin terminé mes housses de coussin pour mon lit. Voilà, et il faut que je vous montre tout ça, parce que ça rend trop trop bien. Je suis refaite, je suis trop contente. Voilà, depuis le temps que je dis qu'il faut que je fasse ces housses de coussin, elles sont faites. Et en plus, il me restait assez de tissu lin bleu canard pour les faire, donc je suis ravie, je suis trop contente. Voilà, et sinon, au magasin de tissu, j'ai acheté du fil pour ma surjeteuse, comme ceci, vous savez, un gros truc comme ça. Donc voilà, je vais pouvoir me familiariser avec la surjeteuse. J'ai acheté un nouveau petit sirop, le moulin de Valdonne là, Mirabelle. Voilà, j'ai racheté pomme verte vanille parce qu'on a adoré avec Doudou. Et là, j'ai acheté Mirabelle pour goûter.
Je m'en suis fait un grand verre avec de l'eau fraîche. Ça va me faire fortement du bien. C'est bon. C'est trop bon. Ça change. Ça change. Bon, sinon, j'ai déballé mes courses au champ. J'ai pris pas mal de chopium. J'ai pris des pomelos. Voilà, qui est en promo 1,20€ les 3, donc ça valait grave le coup. Je suis passée au rayon chocolat parce qu'il y avait les chocolats qui étaient à moins 34%. Je sais pas pourquoi ils ont fait moins 34%, mais bon, peu importe. Et j'ai trouvé le chocolat que Doudou adore, là, le Novi, qu'on trouve qu'à Leclerc normalement, mais là j'ai trouvé à Auchan, donc j'étais trop contente. Et ça revenait à 1,40€ le paquet, donc ça valait grave le coup. Sinon, je suis passée à Adopt. Il y avait encore de la promo sur les boucles d'oreilles. Et moi, j'aime bien acheter mes boucles d'oreilles en promo parce que, voilà, là, elles étaient à 50%. Donc, j'ai pris celle-ci avec des petits pompons roses. Je suis dans ma folie pompons en ce moment. Petits pompons gris et rouges. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Et pour tout ça, j'en ai pour 6€, 3 paires de boucles d'oreilles. Ça fait 2€ la paire de boucles d'oreilles. Ça va, je ne me suis pas ruinée. Voilà, et sinon, je suis passée également à la pharmacie pour acheter du gel lavandou Mustela pour les pépettes. Moi, je l'adore, celui-ci. Il est très, très bien. Il sent très, très bon. Mes filles sentent le bébé et j'adore ça. Voilà, j'en profite pour le moment hein, parce que Aria, quand elle nous fait des câlins, qu'on lui renifle la tête, elle sent le bébé. Ça sent Mustela, ça sent trop bon. Cali aussi. Mais je trouve que ça n'a pas la même odeur sur un bébé et sur Cali. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'en ai racheté 3 en fait parce qu'ils étaient en promo. Vous en achetiez 3, il n'y en avait que, vous en payiez que 2. Et sinon, j'ai pris également des vitamines C en effervescent. Donc voilà, pour le matin, on en prend 2, on en met 2 dans un verre. Et puis ça fait du bien. Je fais une petite cure comme ça. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai vidé tous mes sacs, c'est tout bon. Aria est en train de faire dodo. Je pense que je vais la mettre dans son lit pour faire dodo, elle sera mieux. Et je vais la regarder sur la caméra. Et moi, il faut que j'aille un petit peu dans le jardin. Donc voilà, je garde toujours un œil sur la caméra. Et voilà, 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 c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai pas mal vadrouillé quand même. Et puis j'ai mangé un petit bois au champ. Hein. Je vous ai pas montré ce que j'ai mangé parce que j'avais pas pris la caméra. Mais je me suis pris un petit truc à grignoter, vous savez, au truc flunch, sandwich et trucs comme ça là. Voilà, parce que sinon j'aurais mangé beaucoup trop tard. Mm-hmm. Je viens de prendre un coup de chaud. Je sais pas si ça se voit. Je viens de passer la tondeuse dehors parce qu'il y en avait bien besoin. Et en fait, comme Doudou, il rentre après 18h, en fait, dans notre commune, on n'a pas le droit de passer après 18h, je crois. La tondeuse, donc voilà. Et comme je pouvais pas attendre ce week-end, et en plus, ce week-end, il prévoit de la pluie, donc il fallait absolument le faire. Voilà, ça fait un grand bien, parce qu'il y en avait bien besoin. Mais là, j'ai pris un coup de chaud, là. Je pense que je suis bonne pour aller prendre une douche. Et en plus, neuneu que je suis, mais là, je le dis toute seule, hein. Je suis restée en tongs, c'est-à-dire que j'ai mes Birkenstock aux pieds, et donc j'ai de l'herbe dans les pieds là, quoi. Donc je pense que je suis bonne pour une bonne douche. Voilà, mais en tout cas, de l'autre côté, c'est nickel, c'est l'herbe est bien verte et tout, c'est top, je vais vous montrer ça, je vais vous emmener dans le jardin. J'ai passé devant aussi, il y en avait bien besoin, parce que comme Cali, elle fait du toboggan et tout... Il y avait des herbes assez hautes, donc franchement ça fait du bien quoi. Je vais remettre tout en place et puis je vous montre le jardin comment il est. En sachant qu'on a on n'a pas encore sorti la table et tout. Enfin on a une table devant là mais on n'a pas sorti de l'autre côté. Je pense pas qu'on va la sortir cette année. Non je pense pas. Et puis il faudrait que je nettoie les fauteuils. Vous allez voir parce qu'ils sont bien crades. Mais bon. Là, les beaux jours arrivent, donc on va tout préparer pour que on puisse utiliser le jardin. Ça va être cool. Allez, je vous montre. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est les sièges que je vous parlais, là. Les grands et les deux petits. Voilà. Et comme vous voyez, l'herbe, elle est bien, bien verte. Et tout s'est remis à repousser, donc c'est cool. Le bruit, c'est parce qu'ils sont en train de tondre, là-bas. Et voilà, tout repousse. Et ça, il faut qu'on y change, là. Moi, je voudrais mettre du truc en... Vous savez, en bambou, c'est beaucoup plus joli, quoi. Parce que ça, c'est un peu moche. C'est les anciens proprios qui avaient mis ça, et on veut changer, nous. Enfin, voilà. Donc là, c'est derrière ma maison. Et donc là, c'est sur le côté. Avec la petite table et ma glycine qui fleurit. C'est cool. J'adore.
Et voilà ce que ça donne. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, avant, il n'y avait pas les deux bleus unis. Et donc, voilà, maintenant, ils y sont. En sachant que les grands et les petits, en fait, non, bah, tous, les cinq, c'est moi qui les ai faits. Le tissu, là, alors, le bleu, lin, il vient des tissus des Ursules, je crois. Ou Laurent Tissu, je ne me rappelle plus. Les feuilles, par contre, c'est Laurent Tissu. Non, tissu des Ursules. Et le deuxième, Laurent Tissu. Et le jaune, tissu des Ursules. On va y arriver. Donc voilà, voilà, voilà. Depuis le temps que je patiente dans cette... Non, je déconne. Depuis le temps que je les voulais, ces coussins-là, mon lit est enfin terminé. Donc c'est top. Je suis ravie. Bon, derrière, vous avez les coussins Wopilo. Hein. Nous, on dort qu'avec les Wopilo. Les cinq autres coussins, c'est vraiment pour de la déco. Voilà. Mais l'idée, c'est que plus tard, je voudrais m'acheter ici une malle du style un petit peu comme les tables de nuit, vous voyez, enfin sous les tables de nuit, pour pouvoir le soir les mettre dans la malle. Et puis voilà, parce que quand on les enlève du lit, on les met sur le côté là. Bon, ça gêne pas en soi, mais voilà, ça sera plus joli d'avoir une malle. Et je pense que ça peut rendre pas mal. Alors, soit une malle, soit un banc, vous voyez, parce qu'on a largement la place, la chambre est immense. Sinon, bac de linge à ranger, bac de linge à ranger, bac de linge à mettre sur Vinted. Il faut que je fasse des photos et il faut que je mette tout ça sur Vinted. Mais si je peux ranger ces deux bacs de linge là avant d'aller chercher Cali, ouais, je vais avoir le temps. Je vais ranger les bacs de linge et après, j'irai prendre ma douche. Parce que j'ai très très chaud. Ouf. Bon, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris. On a eu un appel téléphonique pro avec Doudou. Donc voilà, on n'a pas filmé tout simplement. Doudou est rentré du boulot. Hello, Hold front. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il me fatigue. Bref, j'ai fait le repas de ce soir. Ce soir, c'était cake façon flamme-cuche. Si vous voulez, c'est un cake qui n'est pas trop, il n'y a pas trop de matière grasse, etc., etc. Je vais vous faire une photo après et je vous mettrai la recette sur le blog, en sachant que il y a des œufs, il y a du fromage blanc, il y a un petit peu de matière grasse, il y a des allumettes de bacon, mais bon, je vais vous partager la recette. Et avec ça, j'ai fait une petite salade verte. Et ma foi, ça m'a l'air bien sympathique. Le cake est bien jaune, mais comme d'habitude, c'est des œufs du voisin. Donc, c'est toujours bien jaune. Et voilà, on va se régaler. Petite salade verte accompagnée de petites tomates cerises avec ça. Et puis voilà, à table, à table, à table. Aria est censée manger vers 20h, donc d'ici 40 minutes à peu près. Et puis voilà, let's go, on va manger parce qu'il se fait faim. Moi, j'ai très, très faim. T'as faim, mon amour ? Oui, ça grogne. Ça grogne, il m'a dit. Voilà, voilà. On a un bébé qui fait dodo sur sa maman. Je crois que c'est la meilleure position. Je suis actuellement devant l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé. Oh, il faut que j'aille me démaquiller. J'ai frotté mes yeux, j'en ai de partout. On a mangé. On a douché les filles, on a donné à manger à Aria. Aria a beaucoup de mal, le sommeil il est compliqué. Non, alors il y a des fois le coucher ça se passe super bien, mais alors il y a des fois elle a besoin de câlinou et voilà, donc là elle dort correctement. Franchement il n'y a plus du tout de... Je prends son bras, je le laisse, il retombe, mais je le ferai pas. Donc je vais la remettre dans son lit, mais bon. Même moi, ça me fait du bien de faire des petits câlins comme ça. Voilà. Cali s'est couchée assez rapidement. Elle s'est endormie super rapidement. Bon, par contre, elle joue avec la caméra. Donc, la caméra filme l'armoire. En soi, on s'en fout de l'armoire, mais bon. Et sinon, oui, si vous vous posez la question pourquoi j'ai changé de t-shirt, puisque Aria m'a baptisé mon débardeur noir, ça devait pas lui plaire. Ouais, il y a eu un petit row et il y a eu un petit jet. C'est la première fois qu'elle nous le fait d'ailleurs. On va le noter. On va noter la date. Enfin voilà, sinon, le cake était vraiment super bon. Il n'était pas sec du tout. Tu sais, des fois, tu as des cakes qui sont secs. Ouais, il n'était pas sec du tout. Il était vraiment super bon. Donc, c'est une recette que j'ai faite avec du fromage blanc. Avec quand même du gruyère, mais j'ai mis du gruyère allégé. Donc en soi, j'ai un petit peu limité la casse quand même.
J'ai mis des lardons de bacon, donc c'est beaucoup moins gras que les allumettes de lardons ou les lardons. Et voilà, franchement, il était vraiment super bon. Doudou m'a fait quelques photos, donc je vais essayer de vous mettre l'article. Parce qu'en fait, le blog, il y a un bug. Ça fait depuis hier. Vous le voyez pas. Vous le voyez pas, mais en fait, Donc nous, vous pouvez plus accéder à on peut l'arrière pas du faire portail. on peut pas écrire les articles. On pourrait, mais Bon, je cherche. voilà. Donc, si vous avez le lien dans la barre d'infos, c'est qu'il est que l'article est en ligne. Et si vous avez du genre inscrivez-vous à la newsletter, si vous voulez vraiment la recette du cake, et ben inscrivez-vous à la newsletter et vous aurez une alerte dès que la recette sera en ligne. Enfin, parce que malheureusement, là, on est bloqué. Doudou, il est dessus depuis hier et il n'arrive pas à trouver ce qui ne va pas. Voilà. Mais croyez-moi, c'est un têtu. Et il va trouver. C'est son métier, hein, donc il va trouver. Il n'y a pas de raison. Enfin voilà. Bon, je vais coucher la pépette là. Elle va aller au dodo. Je suis en train de checker la vidéo de demain. Et je pense que je vais pas trop tarder moi pour aller au dodo parce que je suis éclatée. Et demain, j'ai les deux filles. Et je sais pas ce qu'on va faire parce qu'il pleut. Et ça sent pas bon. Non, 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 ça sent pas. J'aurais voulu faire de... J'ai trop envie de coudre. Je suis pas un peu tarée, moi. J'ai envie de me mettre à ma machine à coudre, j'ai envie de faire des bavoirs, j'ai envie. Donc je pense que demain, pendant la sieste des filles, eh ben, c'est ce que je vais faire. Voilà. Bon, allez. Je vais mettre Mistinguette qui a des cheveux. Elle a des cheveux super longs derrière. Super long. Et ah oui, il y en a qui me posaient la question à savoir si les cheveux derrière étaient plus foncés ou plus clairs que Kali. Alors Kali à la naissance était brune, très brune, plus brune qu'Aria même, hein, Minou. Et Aria, elle est châtain foncé, je dirais, mais elle va pas la rester. Je vous le dis, je vous l'annonce, parce que vu les sourcils qu'elle a, c'est Kali, c'était pareil. Elle avait les sourcils très très clairs et vous voyez maintenant Kali, hein, c'est une blondinette. Blondinette foncée quand même. Mais je pense qu'Ariel sera encore plus blonde que sa sœur. Je pense. Enfin, on verra dans quelques mois. Mais ça va vachement s'éclaircir. Je dis ça. Je dis rien. Et lui, il voulait me dire ta gueule. Non, mais ça va pas, non. Petit con. Alors. Je tiens à préciser qu'on se taquine. Non, parce que je pense qu'on va avoir des commentaires. Mais non, mais faut pas lui dire petit con. Et toi, mais Doudou, faut pas dire ta gueule. Non, mais on se chamaille. On s'aime tellement qu'on aime bien chamailler. C'est ça qu'on dit? Oui, chamailler. Je valide. Tu valides? On se chamaille, on se taquine, on se gratouille, on On se se chatouille. chatouille. Pourquoi on a pensé à la même chose? On sait pas, on s'est bien trouvés tous les deux. Ouh là là, attention, Doudou réfléchit. Je vous épargne sa tête parce qu'il était comme ça dans l'ordinateur. Doudou, il a une bonne nouvelle. Il a réussi. Quand je vous dis qu'il ne lâchera rien. Je n'ai Non, c'est rien pas. lâché. Non, mais c'est pas ce doudou. C'est mon doudou à moi. Mais Bon, viens. sinon, j'ai pris ma douche. Oh, j'ai pris ma. J'ai pris ma douche, je me suis mis en pige. J'avais encore le bout des doigts de pied vert à cause de. Tu sais que j'ai pris une douche tout à l'heure après avoir tondu. Parce que j'ai pris chaud, tellement il faisait chaud. Et que, franchement, c'est ce que je disais à Doudou, j'ai mal au bras parce que de tenir la. C'est quoi comme tondeuse qu'on a? Tondeuse à essence. À essence, et franchement, quand vous mettez une bonne vitesse, voilà, hein, faut suivre. Hein. Oui. J'ai mal au bras. Oui. Et j'avais encore le bout des doigts de pied vert. Donc j'ai refrotté là sous la douche. La prochaine fois, je mettrai des chaussures fermées. Parce que les Birkenstock pour tondre, c'est pas une bonne idée. Enfin bref, sur ce, je vais vous abandonner. Enfin, on va vous abandonner. On va aller se coucher. Aria ne s'est pas réveillée encore. On verra bien à quelle heure elle se lève. En sachant qu'elle a pris un 150 tout à l'heure, donc on verra bien. Ça sera la surprise. Voilà. On va au dodo. Mon petit chat. On va au dodo. On vous fait des bisous et on vous dit à demain.
Thank you.